Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr. Alors, ce mercredi 30 novembre, on va essayer de terminer le mois sur une bonne note, hein. On reste sur pas mal de bonnes performances. En tout cas, là, ce 30 novembre, on va aller direction du côté de Vincennes. Réunion 4, une semi-nocturne, hein, très intéressante. Et moi, je me suis intéressé à la troisième course, le prix de Rosay-en-Brie, une compétition réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros. 13 concurrentes au départ, le parcours classique, hein, 2700 mètres de la grande piste. Et j'ai retenu un seul cheval, une jument, c'est le numéro 3, Yaya Star, qui vient de très très bien courir, hein, dans la course référence. Vous allez le voir, une course référence. On retrouve pas mal de concurrentes qui couraient ensemble, hein, peut-être même plus de la moitié. Attendez, je vais vous trouver ça, ligne de la course. Regardez, voilà, c'était ici, le prix de Mort de Bretagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, plus de la moitié des concurrentes qui recourent. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai vu Yaya Star en murée vivante. Elle n'a pas couru, elle était à 45 contre 1. Je pense pas qu'il y aura beaucoup moins, je pense qu'elle va être pas de super jouée. À mon avis, il y aura bien 10-15 contre 1 dans cette compétition. Pardon, s'il y en a qui l'ont déjà repéré, en tout cas, c'est une jument qui a vraiment très bien couru la dernière fois, qui est dans sa catégorie. Auparavant, c'était très très bien, elle était deuxième. Voilà, une jument qui est dans sa catégorie, hein, comme vous le voyez, elle a 100 000 euros de gains. Elles sont à peu près dans la même catégorie de gains. Hein. Il y a un petit peu de différence pour les plus riches, mais c'est vrai qu'avant le coup, elle présente beaucoup de garanties. Et si elle a le bon parcours, attention à elle. Alors pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe bien, mais je pense qu'elle est capable de terminer dans les trois premières et vraiment, elle peut faire afficher une belle cote. Donc attention, ce sera mon conseil de jeu. Voilà, comme je vous l'ai dit, si on est en plein meeting d'hiver, je l'ai repéré la dernière fois, comme j'ai repéré d'ailleurs Indiassi hier, le cheval que je vous indiquais ce lundi, qui a fait l'arrivée et qui a gagné, non, qui a pas gagné, qui a fini deuxième, pardon, à 9 contre 1. Du coup, elle a rapporté 2,10€ à la place chez notre partenaire The Turf. En tout cas, voilà, une concurrente Yaya Start qui m'a beaucoup plu la dernière fois. Et voilà, on va sur plusieurs deuxième places. On va essayer de vaincre le signe indien, même s'il faudra que ça se passe bien avec Yaya Start. Mais j'aime beaucoup sa candidature. Donc voilà, en réunion 4, le 303 Yaya Start, ce sera le conseil de jeu pour ce mercredi 30 novembre. Essayer de finir le mois en beauté, on l'espère en tout cas. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a fait un petit point. C'est vrai qu'hier, je vous indiquais Indiassi qui court très très bien, alors qu'elle n'avait pas été forcément très chanceuse la dernière fois et qu'elle avait déjà bien couru. Là, elle a confirmé ses bonnes dispositions en étant battue par Ismachikofor, je crois. En tout cas, une pensionnaire de Christian Bijon qui s'imposait tout à dans cette course. Et elle courait très très bien en tout cas. Voilà pour cette rubrique, en tout cas le 303 en réunion 4. Ce sera pour terminer le mois, ce mercredi 30 novembre. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari. Vous le savez, hein, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est assez simple. Vous pouvez soit cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site pour accéder à notre partenaire, ou alors vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou le service client pour vous aider à créer un compte chez The Turf. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein, en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain. Ce sera certainement du côté de Vincennes. Hein. C'est quasiment tous les jours Vincennes en ce moment. Donc voilà, une nouvelle fois Vincennes. D'ici là, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.